J'ai beaucoup de souvenirs chez Bridor, mais le plus marquant a été de passer d'un atelier de 1000 mètres carrés, dont seulement 450 mètres carrés de laboratoire pour produire, à une usine de 4500 mètres carrés, et tout ça en 7 ans. Le début de l'aventure. Nous avons débuté le 1er mai 1988 avec 4 personnes. Et en avril 89, nous embauchions 60 personnes en une matinée. La plupart de ces personnes seront formées et feront carrière et font carrière chez Bridor. La formation interne, une force et une valeur pour Bridor. Et en 2000, nous ouvrions une nouvelle usine. C'était le début du prêt-à-cuire. La qualité, selon M. Leduf, l'innovation, la régularité des produits finis, la réactivité, le service, la sélection des matières premières. En 1988, nous étions les seuls dans la profession à posséder un laboratoire pour la qualité des matières premières et avec des ingénieurs qui travaillaient beaucoup sur cette matière première. Et la qualité de nos pâtes, associée au beurre des Charentes, AOC, AOP actuellement, a fait de Bridor le leader de la viennoiserie haut de gamme sur le marché national et international. Et pour la petite anecdote, la première fois que nous avons reçu du beurre des Charentes, c'est 60 kilos dans la Renault 19 Chamat du commercial. Donc ça a beaucoup changé depuis, puisque nous sommes les premiers acheteurs au monde du beurre Charentes. La qualité, toujours.